Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc vous pouvez voir derrière moi le résultat final du travail qu'on a effectué la semaine dernière. Les joints ont encore blanchi un petit peu et ils vont encore blanchir un petit peu plus. Pour l'instant, ils sont encore légèrement rosés et ça fera ressortir les pierres encore plus. Et ensuite, on va sûrement venir passer un coup de chiffon avec du vinaigre blanc pour enlever un peu la laitance de la chaux qui aurait pu rester sur les pierres et pour les faire ressortir encore plus. Donc il y a une autre très grande avancée qui a eu lieu la semaine dernière, c'est l'installation par l'électricien du tableau électrique et la mise en fonction du tableau électrique. Donc il a aussi installé toutes les prises et tous les interrupteurs dans la maison. Donc ça veut dire que maintenant on peut simplement se brancher à nos prises quand on a besoin d'utiliser un outil, quand on recharge des batteries, quand on recharge des téléphones, on n'a plus besoin de tirer une rallonge depuis le compteur extérieur. Donc ça, c'est un gros progrès. Et on a aussi la lumière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Et donc on est content d'en être enfin arrivé à cette étape. Et donc avoir un tableau électrique fonctionnel et des prises de courant fonctionnelles, ça va aussi vouloir dire qu'on va pouvoir bientôt installer une box internet afin d'obtenir une bonne connexion ici à la maison. Et pour obtenir une connexion rapide et sécurisée, nous on a choisi NordVPN qu'on utilise depuis quelques temps et qui est le partenaire de cette vidéo. Alors un VPN, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui protège votre connexion internet en cachant votre IP et en cryptant vos données de connexion sur un serveur privé. Donc avec NordVPN, vous pouvez vous connecter à n'importe quel réseau, public ou privé, de manière 100% sécurisée. À la maison, on protège ainsi toutes nos données sensibles, donc mot de passe, compte en banque, discussions privées, ainsi que tout le contenu de notre ordinateur. À l'heure des arnaques en ligne et des vols de données bancaires, NordVPN, c'est un vrai atout. Et on sait de quoi on parle, puisque lorsqu'on était en Australie, ça nous est arrivé. On s'est connecté à un réseau public malveillant qui nous a dérobé les numéros d'une carte de crédit. Et on aurait bien aimé avoir NordVPN à ce moment-là. Lorsqu'on était en voyage, on utilisait aussi NordVPN pour obtenir les meilleurs prix sur les billets d'avion et les locations de véhicules, simplement en changeant la localisation d'où on se connecte. Donc les compagnies aériennes ou les agences de location de véhicules ont des prix variables selon le pays d'où vous effectuez votre réservation. Et grâce à NordVPN, on peut éviter ça simplement en choisissant le pays d'où on se connecte. Alors protégez votre ordinateur pour quelques euros par mois et obtenez 4 mois d'utilisation gratuite sur un abonnement de 2 ans en utilisant le code ATELIERMAVIE ou en allant sur le lien nordvpn.com/ATELIERMAVIE. C'est sans risque et vous bénéficiez aussi d'une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé. Et on remercie encore une fois NordVPN pour soutenir notre chaîne. Allez, au travail! La dernière étape, avant l'avenue de l'électricien, a été d'installer tous les boîtiers électriques manquants, soit tous les boîtiers dans les cloisons de ferme à sel et quelques boîtiers dans les murs en pierre. L'opération est assez simple, comme vous pouvez le voir. Les trous sont effectués à la scie cloche ou au multitool et les boîtiers sont ensuite fixés grâce à une vis qui prend le fermacel en étau.
fois tous les boîtiers en place, c'est à l'électricien d'intervenir. Il amène avec lui le tableau électrique et la boîte de dérivation qui sera située juste en dessous, ainsi que tous les éléments nécessaires pour la mise en place des prises et des interrupteurs. Il faut maintenant faire le tri dans toutes les gaines qui débouchent à cet endroit afin de grouper les lignes d'éclairage d'un côté, les prises de l'autre et d'individualiser toutes les lignes dédiées aux différents éléments d'électroménager. D'où l'importance de bien étiqueter ces gaines. Les interrupteurs et les prises sont ensuite installés. Il faut aussi relier le compteur général au tableau électrique avec un gros câble, qui a d'ailleurs failli ne pas passer à cause de quelques courbes un peu trop serrées de la gaine en plastique. En ce qui concerne la couleur de la finition pour les plaques électriques et les interrupteurs, on avait deux options, donc blanc ou chanvre. Donc on a choisi chanvre pour tous les murs avec l'enduit chaud chanvre et tous les murs aussi en pierre. Et en revanche, on a choisi blanc pour tous les murs, donc en fermacelle, toutes les cloisons intérieures qui vont être peintes en blanc. Donc tout n'est pas parfait, puisque lorsqu'on a réalisé l'enduit, on l'a fait un petit peu sans savoir comment il fallait faire, à quel niveau l'enduit devait arriver par rapport au boîtier électrique et à quel point l'enduit devait être plat aussi autour du boîtier électrique. Donc ça donne des écarts assez importants entre la plaque de finition et les murs en enduit chaud chanvre, parce qu'on n'a pas le problème avec les parois en fermacelle. Donc on va pouvoir y remédier légèrement en venant couper à fleur le boîtier électrique qui est dessous. Et là, on devrait pouvoir plaquer un petit peu mieux la plaque de finition. Mais on le fera dans un second temps, puisqu'on a quand même plein d'autres choses à faire en ce moment.
Donc vous avez vu aussi Kevin installer ce boîtier à côté de notre compteur général. Et donc ce petit compteur ici, il va rassembler tous les réseaux extérieurs. Donc la pompe qui nous amène l'eau depuis la citerne du village en dessous jusqu'à la maison. Il y a aussi une protection pour le câble d'alimentation général qui va ensuite dans la maison. Et il y aura aussi la possibilité de mettre des protections et des départs de cailloux. T'es au milieu. Non, c'est pas mieux. Caillou, seduta. Seduta. Brava. Dans les fleurs. Et du coup, on va aussi pouvoir connecter... Qu'est-ce que je dis ? Et on va aussi pouvoir connecter le petit moteur qui va aller dans notre dépurateur d'eau usée. Et donc ça, on en parlera un petit peu plus tard, quand on aura enfin trouvé un plombier. Et donc là, il y a aussi le piquet de terre qui est en attente de la tresse, qui va être lié ensuite au compteur. Donc attention, parce que les normes en Italie ne sont vraiment pas les mêmes qu'en France. Donc voilà, j'anticipe pas mal de commentaires, je pense, en précisant ça. Même s'il reste quelques bricoles à finir, le réseau électrique est opérationnel. Avec ça, on a l'impression que notre projet a vraiment passé un cap et que nous entamons maintenant la dernière ligne droite. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Non, 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 non